Salut à tous et bienvenue dans ce tuto. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire une petite introduction, donc un texte qui sort du sol. Voilà, comme ça. Donc une introduction très courte. Dans Cinema 4D. Donc, ça va donner, on va faire ça. J'ai un nouveau projet, voilà. Mon graphe, mon texte. Je vais écrire mon texte. Plutôt 8, d'une profondeur de 80. Après ça, c'est vous qui choisissez avec une police de votre choix. Voilà, donc maintenant j'ai mon texte. Alors je vais sélectionner mon mot texte ici, je vais appuyer sur la lettre C de mon clavier. Donc là, je déroule. Je vais sélectionner toutes mes lettres en cliquant sur la première. Vous appuyez sur Shift et vous cliquez sur la dernière. Ensuite, vous glissez votre texte à côté, voilà, vous sortez de votre dossier et vous supprimez le mot texte. Donc là, vous avez toutes vos lettres séparées. Vous voyez, vous pouvez bouger les lettres individuellement. Alors maintenant, vous allez dans mot graphe, fracture, et vous mettez vos lettres dans fracture. Vous sélectionnez fracture, vous allez dans mot graphe, effecteur randomisation. Et là, vous mettez fracture dans effecteur de randomisation. Voilà. Donc là, vous voyez, si vous bougez, votre texte bouge aussi. Donc, on va aller dans paramètres. Ici, je vais mettre 250. 250 aussi, ici. 250 là. Voilà. Ici, je vais mettre 720. 270 et ici je partais 72. Voilà. Donc là, voilà, ça donnera à peu près ça. Donc maintenant, là je vais le mettre comme ça. Intensité pardon à 100%. Je vais créer un sol. Voilà. Ensuite, je vais sélectionner effecteur de randomisation et je vais le descendre voilà, jusqu'à ce qu'on ne voit plus le texte. Je vais poser une clé. Je vais mettre mon intensité à 0. Je vais le mettre à 90. Et je vais monter mon texte. Pour être plus précis, je clique sur la molette de ma souris. Et voilà, donc je mets mon texte à peu près comme ça. Voilà. Donc maintenant, je pose une clé. Donc, votre texte, en fait, quand il sera à 100%, donc on ne le verra pas. Donc il sera à 100% comme ça. Et à 90, il sera à 0. Donc votre texte aura apparu. Donc là, on va se mettre à intensité 100%. Vous allez appuyer sur CTRL et vous allez cliquer sur le petit cercle à côté de l'intensité. Vous allez vous mettre à 90. Vous allez vous mettre ici à 0. Et vous allez cliquer encore une fois, donc toujours en appuyant sur CTRL sur ce petit rond. Voilà, donc là vous avez votre animation qui est faite. Donc maintenant, on va changer ici, on va se mettre à sans image. Voilà, pour donner un petit temps à la fin, après l'animation. On va créer notre lumière, donc spot. Voilà. Ici, on va régler à moins 80. Moins 85 plutôt. Voilà. Donc, je vais le mettre au centre. Donc, voilà, donc là je trouve que je suis plutôt bien mis. Donc, voilà. Là c'est plutôt bien. Attends.
Maintenant, j'ai mon animation, j'ai la lumière, je vais créer ma caméra. Alors, je mets caméra, je clique ici, je me recule un peu, je me mets à zéro image. Pardon, je suis un peu malade. Ensuite, je me mets à 100, j'avance ma caméra. Jusque là, je propose une clé, et donc voilà, j'ai mon animation de mon texte et de ma caméra. Maintenant, on va créer le rendu. Donc, dans sortie, on va aller dans film vidéo. Ici, j'ai mis celui-là. Au lieu de images courantes, vous mettez toutes les images. Vous allez dans enregistrer, vous sélectionnez vous voulez l'enregistrer, vous mettez votre titre, pardon. Voilà. Ici, vous mettez film toute taille. Voilà. Ici, vous mettez au mieux. Animation. Vous allez dans effet, vous mettez illumination globale. Voilà. Donc, voilà, ça paraît bien. Donc maintenant, on va créer les matériels. Les matériaux, pardon. Donc nouveaux matériaux, couleur, bon après ça c'est comme vous voulez, moi je le fais blanc, réflexion ici 30% avec une texture, voilà, je mets la même texture pour les deux, et voilà, donc c'est fait, donc un petit rendu en image. Donc un rendu assez long, faut s'attendre à peu près 1 heure de rendu. Alors, donc peut-être un peu moins. Ouais, ça dépend. Moi je sais plus trop, j'ai mis combien de temps. J'ai mis à peu près 3 quarts d'heure, 45 minutes. Donc voilà, donc vous aurez une introduction comme ça. Donc après le rendu, voilà, vous trouvez ici. Vous aurez. Donc quand vous regardez l'aperçu, vous voyez la vidéo pour la première fois va laguer. Mais vous regardez une deuxième fois, c'est un peu trop long. Merci d'avoir regardé ce tuto, à bientôt.